Quelques heures, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'une actrice et vivre en live l'expérience d'un photoshoot. Bonjour, Juliette Longuet. Enchantée d'être. Merci beaucoup, c'est un honneur. Les plus grands du cinéma américain sont venus au studio parce qu'on avait un contrat dans les années 60 avec la MGM. Donc d'accord. Tous les acteurs américains venaient se faire photographier. C'était fantastique pour eux. Oui. Arriver à Paris, venir se faire photographier ici. Et c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt du studio Harcourt. C'est de proposer justement une continuité dans l'atmosphère, à la fois dans la prise de vue, dans... l'accueil que nous proposons à nos clients. Nous allons commencer par le maquillage. D'accord. Moment très important parce que vous allez voir la prise de vue sur le plateau, c'est très particulier, c'est de la lumière continue. Donc il faut que la peau soit bien préparée. Donc le maquillage est l'étape préalable indispensable. Et ensuite, vous allez passer directement sur le plateau. Vous avez la possibilité de vous changer si vous le souhaitez. Et éventuellement proposer des poses si vous le souhaitez au photographe, ou sinon vous allez vous laisser guider et il va vous emporter dans un monde que nous espérons le plus merveilleux possible. Eh bien écoutez, ça y est, je suis déjà en train de rêver. Les gens sont toujours très émus quand ils viennent ici en disant « Je viens parce que mes parents se sont fait photographier pour leur mariage ou j'ai la photo de mes grands-parents. » Et donc, il y a une lignée qui se crée. C'est aussi une expérience très positive, je pense, parce que ça fait du bien de pouvoir se voir comme on ne se voit pas forcément dans la réalité. Donc, on arrive ici, on se fait chouchouter, dorloter, on choisit ses vêtements, on a une vraie expérience de photoshoot, on se met dans la peau d'une actrice pour quelques heures. Absolument. Et voilà, c'est un vrai booster d'énergie. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. On offre beaucoup plus qu'un portrait, en fait. Bien sûr. On offre une parenthèse dans une vie. Bonjour. Bienvenue. C'est bon. Merci. Je suis voilà. Prête. Alors je vous présente Elliot qui va m'assister dans la lumière. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos jambes de cette façon-là. D'accord. Et revenir vers l'objectif par ici. D'accord. Pour la main, je vais surélever votre main pour pas que vous ayez à aller chercher le socle. Parce que ça vous permettra de vous poser plus naturellement. On travaille à la lumière continue. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir bouger du tout. Ok, ça c'est pas mal du tout. Ok, là on est très bien. On va pouvoir partir vers le sourire quand vous êtes prête, naturellement. Bien sûr. Ok. Super.
Voilà, parfait, on a terminé. Merci beaucoup, Lucille. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, toutes les différents procédés en fonction, j'imagine, du modèle, les intensités de lumière Alors, mon rôle est déjà d'accueillir le modèle et de faire en sorte qu'il se sente à l'aise, puisque c'est à partir de là, à mon avis, qu'on peut faire une bonne image. Ensuite, en fonction de son profil, je construis la pose. D'accord. Donc, en fonction des caractéristiques physiques, aussi bien que l'humeur, on sent tout de suite une personne a envie... jusqu'à quel point elle a envie de se donner pour l'image, donc il faut respecter ces limites-là. Et puis, en fonction de ça, on met la lumière en place. J'essaye de faire varier les poses et les compositions de lumière pour qu'à la fin, on ait une sélection variée, puisque souvent, il y a d'autres avis que la personne elle-même, la famille, les amis, tout ça. Et il faut que la personne se reconnaisse. Et alors là, bon, nous, par exemple, aujourd'hui, on a utilisé un siège, on a utilisé aussi un accoudoir recouvert de feutre noir, mais je ne vois pas beaucoup d'autres possibilités. Ça se passe derrière. On a beaucoup d'autres fauteuils, oui, ça se passe derrière. On ne met pas tout c'est sur caché, le plateau. En fait. Et puis l'effet de surprise, à mon avis, que vous n'ayez pas ce fauteuil en vue dès le départ, permet d'ajouter des choses qui stimulent la prise de vue. D'accord. Et dynamisent. Ça, c'est vous qui décidez, ça. Comme ça, voilà. Au moins, il n'y a pas de voilà, pourparlers pendant des heures. Non, voilà. Je siège, moi je tout préfère celui-là. Moi je suis responsable de photographier les VIP, les personnalités, donc c'est plutôt des personnes seules, des acteurs, des actrices, tout ça. Par contre, on reçoit évidemment beaucoup de familles, des groupes d'amis aussi, des femmes avec leur mari, ça peut être sous forme de cadeaux pour la Saint-Valentin, Noël, tout ça. On a vraiment de tout, des animaux de mariage. Voilà.